Salut tout le monde, Aikilio pour une nouvelle vidéo et on se retrouve encore une fois pour un nouveau jeu et il s'agit de Dead Island. Encore une fois, je viens tout juste de l'installer et vous allez le découvrir avec moi. Je suis dans la page de sélection de personnages et j'ai le choix entre lui, c'est un distant avec ses armes de jet, ça m'intéresse pas. On a elle, arme à feu, arme tranchante et lui c'est les masses. Ouf, ouf, c'est appétissant tout ça, alors qu'est-ce que je vais prendre? Va pour elle. Je la sens bien. On va prendre elle. My father was a very great man. Ah non, on s'en fout de ton père. Hong... on s'en fout, désolé, mais je vais jouer, je vais tuer des zombies. Alors, je vous le dis, hein, je n'y ai pas encore touché au jeu, je viens tout juste de l'installer. Et on va voir de quoi ça a l'air. Apparemment, c'est un prologue. Alors, il y a eu une petite cinématique au début, assez sympa, que je vous montrerai peut-être. Vous risquez de la retrouver dans une annotation. Sinon, eh bien, je viens de commencer. Et on va au moins regarder la cinématique. Putain, je sens que je vais flipper. Mais bon, vous êtes là, vous allez me donner du courage. Alors... F. Find the emergency staircase. Je dois chercher des useful items. Est-ce qu'une valise pourrait être utile? What's in here? Ou de l'argent, c'est bon ça. Vous pouvez dépenser de l'argent dans de nouvelles armes. Bon, je m'en fous, je vais des zombies. Alors, on était dans un hôtel, il y avait une fête et... notre perso était drogué, alcoolique et tout, et du coup, il y a eu des zombies un peu partout, mais il n'a pas vraiment réagi. Et là, on se réveille dans les chambres et tout est dévasté. Comme je vous l'ai dit, je vous montrerai la cinématique plutôt dans une vidéo spéciale. Et sinon, je suis en train de fouiller un peu partout, voir ce que je peux trouver. Et je dois suivre l'objectif. Je suppose que c'est par là. Qu'est-ce que je fais? D'accord. Appuyer sur T. Ah oui, d'accord, faut défoncer la porte. Sympa, sympa. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? C'est compromettant. Vous avez rien vu. T pour la lumière. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je veux pas le savoir. J'ai une mini-map en bas à droite, tiens. Alors, ils sont où les zombies? C'est fermé. Je dois trouver l'ascenseur. Il est où l'ascenseur? Par là. Je vais essayer un petit sprint. Et vous pouvez les voir, les graphismes sont vraiment sympas. J'aime bien le style, je sais pas ce que vous en pensez. Et c'est bien foutu, c'est pas mal. J'ai mis les options au maximum, comme vous avez pu le deviner. Et c'est vraiment pas mal. Ça c'est un plongeon, d'accord. Il y a de l'action là-haut. Je vais monter. C'est tout? Je vais où moi maintenant? Ouais, l'ascenseur il est par là je suppose. C'est par là. Je dois ouvrir l'ascenseur, c'est ça? Non? Ah oui, c'est ça. Mais ça veut pas s'ouvrir. Ah voilà. Et c'est parti. Un peu mystérieux, je sais pas, on sait pas vraiment ce qui se passe. Bon, moi j'ai vu la cinématique, mais sinon... Oh, j'ai cru voir quelqu'un. Oh putain de merde. Désolé. Et merde. Ah ben, non, ça va pas vraiment. Encore un accent british, yes. Ouais ben putain, pourquoi j'entends des zombies partout moi, merde. Putain, ça fait peur tout ça. Pourquoi je suis accroupi? Non, je veux courir. Oula. Oula. C'est quoi ça?
commence à devenir... Oh putain. Merde. Je dois courir. Non, je vais me battre. Oh putain, non, je me casse, merde. Oh merde. J'arrive, j'arrive, je vais pas regarder derrière. Ah, ça commence bien ce jeu, il me plaît déjà. Merde, salope. Ah, bon, voilà, en fin de la campagne, je veux des armes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce jeu? Ben pour l'instant, c'est très prometteur. J'aime bien, je suis agréablement surpris. On va voir ce qui va se passer. J'ai hâte de sortir, de voir de quoi ça a l'air. Le décor, apparemment, c'est une île. Ce doit être un peu comme Far Cry, je suppose. Et c'est de l'exploration, enfin du free run, j'espère du moins. Alors, bon, les chargements mettent pas mal de temps à... mettent pas mal de temps à charger. Mais qu'est-ce qui... I'm a doctor, not a bloody executioner. Do you know how close we came to bashing your head in? What the hell is wrong? Things came for us and Cedemoy went out to kill them alone. Va être habillé. There's nothing you fucking do. Anyone help him? We can't just let him die out there. He saved your life. You owe him your life. Ouais, il m'a sauvé la ville avec à pas le faire, hein. Je m'en fous. Non, je sors pas. Non. Non, je sortirai pas, donnez-moi des armes au moins. Mais ils sont fous les mecs, ils veulent que j'aille le sauver. Y a même pas d'armes. Vas-y, je prends un vase. Je veux un vase. Oh bah j'aurai pas de vase. Je vais pas sortir à main nue les mecs. Ok, j'y vais, ferme ta gueule. Ben j'en veux une. Ah bon? Ah d'accord. Ah, une arme. Une pagaie. C'est déjà mieux que rien. Fuck it, 3. J'aime bien. Bah ta fiole, je vais les défoncer. Et putain, voilà. Ça c'était une bonne idée, tu vois, d'aller sauver un mec qui se fait attaquer par 15 zombies avec une batte. Une pagaie plutôt, même pas une batte. Ils sont où les foutus zombies? Vas-y. Vas-y, toi aussi t'en veux? Vas-y, toi aussi t'en veux? Oh, ils sont pas si durs que ça. Oh, c'est pas des zombies ça. Tu fous ma gueule? Ok. Où ça? Où ça? Ah d'accord. Lifeguard, j'aime bien. Ils jouent bien leur rôle, les mecs. Ok, then. Thanks, mates. Are you there? Hello? Can you hear me? Fuck you. Je m'en fous de la cinématique. Ça devient trop lent là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. Le monde est en train de crever. Regarde ce qu'ils font les autres. Ouais, c'est ça. Ah oui, d'accord. Vous avez le droit. Salope. Donc, je pense que je vais arrêter ici, étant donné que c'était vraiment la mission prologue. C'était pour vous montrer les graphismes et un peu les scénarios. Et on se retrouve pour un deuxième épisode ensanglanté et très bien commenté, j'ai envie de dire. Parce que là, j'avais pas beaucoup de trucs à dire, étant donné qu'il voulait pas me laisser parler cet enfoiré. Donc, merci d'avoir regardé et à bientôt pour un deuxième épisode. Ferme ta gueule.